Hey, moi, c'est Marcezanne. Si Métatin saurait que je suis là, je me ferais tuer. Mais bref, je suis venue de voir Boba. Je deviens gentille, mais c'est arrête d'essayer de me vendre des autres. Je suis qu'un vendeur de hamburger. J'essaie juste de survivre. Qui penses-tu être pour gâcher ma vie comme ça? De toute façon, je parle même pas à ceux qui ne payent pas. Bon, ok. En fait, je voulais être un fou, mais bon, regarde où j'ai fini. C'était mon rêve de travailler pour Métatin. Et si tu veux mon avis, fais gaffe à quoi tu rêves. Un jour, je vais aller voir Cathy et Gatti dans la ruelle. Et quand mon boss m'a vu et a demandé ce que je faisais, j'ai paniqué et j'ai tombé mes hamburgers de mes poches. Pour pas perdre la face, je me suis dépêchée de les ramasser. Mais le poids de ceci, on fait tomber mon poudard. Pas besoin de s'illustrer. Et depuis ce jour, on m'appelle Marc Poudard en référence à la chaîne du restaurant. Très bonne pour la santé. Et pour ce qui est de mon futur, de toute façon, rien ne changera. Je risque sûrement d'être piégé dans ce stupide job pour toujours. Mais attends, quand Asgore aura la dernière âme, on ira à la surface. Ce sera une seconde chance pour moi. Plus ce job pour qui pue la friture et ce boss arrogant. Avec mes compétences, je serai une star du cinéma. Ou je finirai ma vie à faire des hamburgers. Bon, on verra. De toute façon, j'ai toujours des clients chez vous. 19 ans et j'ai déjà raté ma vie. Et n'hésitez pas à me menacer, ça ne marchera pas. De toute façon, je ne peux pas aller en enfer. J'ai pas de jour congé.